Je te propose de pratiquer ensemble une séance de breath work, 15 minutes, une séance courte mais efficace. Et j'ai aussi envie de pratiquer cette séance ensemble avec toi. Je sais que dans la plupart des cas, on guide les autres personnes qui font le breath work, mais j'ai vraiment envie qu'on le fasse ensemble, toi et moi, même si mon guidage va être peut-être parfois à côté, mais on va ressentir notre souffle mutuellement, on va respirer ensemble. Cette séance est destinée à libérer toutes les tensions, contractions, la peine, les douleurs, tout ce que tu veux expulser de ton corps. On va faire 4 cycles et faire une rétention de 1er cycle à l'expire et 2 derniers cycles à l'inspire. Mais ça, je vais te dire, je vais te guider. Tu peux utiliser aussi un masque pour fermer tes yeux, pour te couper complètement du monde extérieur. C'est même très recommandé. Et la seule chose que je vais te demander, c'est de continuer la respiration. Quoi qu'il arrive, on fait uniquement 15 minutes. Ce n'est pas long, mais respire plus lentement ou plus rapidement, comme tu peux, mais n'arrête pas la respiration. C'est ça le principe de breath work. Sinon, si tu t'arrêtes, si tu fais une pause, tu perds l'effet. Et moi, je te soutiens. Moi, j'y vais avec toi, explorer tout ce qu'on a exploré à l'intérieur de nous, grâce et avec le souffle. Et on commence. Tu peux pratiquer allongé, c'est ce que je vais faire. Sinon, on peut rester assis. Les jambes pliées ou les jambes étirées, c'est comme tu préfères. Mets-toi à l'aise. Et je vais te aussi montrer le mouvement qu'on va faire parce que je veux que tu puisses libérer vraiment toutes les tensions, mais physiques dans ton corps. Et ça va passer par des mouvements de notre corps pendant la respiration. Parfois, on peut faire le breath work juste avec cette partie. Mais cette fois-ci, on va utiliser notre corps pour aller encore plus loin, pour aller en profondeur. Donc l'inspiration va se faire en 2 étapes. À l'inspiration, d'abord, on gonfle le ventre et ensuite on monte plus haut et on fait cette expansion de la poitrine et on relâche tous les 6 cycles par la bouche. Pour que ça soit plus efficace. Inspire, ventre, poitrine, et on relâche. Le but, c'est que quand tu fais ces 2 étapes d'inspiration, d'abord c'est le ventre, et ensuite tu déploies cette inspire ici, dans la poitrine. Et moi, je veux que tu sentes cette expansion au niveau du plexus solaire. Souvent, il y a toute cette tension, contraction. Quand on est stressé, on a la tendance de se resserrer, de se replier sur soi. Et moi, j'ai envie que tu libères cette partie. Je monte encore une fois. Inspire. Et on relâche. On fait le drop. Okay? Et maintenant, on commence. Tu peux juste m'écouter. Je vais te guider avec ma voix. Et abandonne-toi complètement à cette respiration, à ton souffle, ferme les yeux et ne t'arrête pas avant que je te dise. Et bon voyage. Et on commence. Inspire. Et relâche. Inspire, ressens ton ventre, poitrine. Et tu abandonnes tout sur le sol. Continue, ne t'arrête pas. Trouve ton rythme. Les 2 premiers cycles, on fait un peu plus lentement, mais tu écoutes toujours ton corps, tu écoutes toujours ta respiration, ton propre souffle. Et tu continues.
et observe comment cette respiration, comment ce cercle de respiration s'installe dans ton corps. Après l'inspiration, c'est l'expire qui vient. Et après l'expire, c'est tout de suite l'inspiration qui prend le relais. Inspire, expire en continu, sans aucune hésitation, en cycle perpétuel. C'est le souffle qui habite ton corps. C'est le souffle qui se déploie de plus en plus dans ton corps à travers l'inspire, à travers l'expire, tu relâches. Et tu peux faire confiance à ton souffle. Tu peux faire confiance à ta respiration qui maintient la vie dans ton corps. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à respirer. Tu n'as nulle part où aller. Il n'y a que ta respiration et toi. Ta respiration et toi, vous ne formez qu'un. Fais confiance à la sagesse de ton souffle. On va faire encore 5 respirations et on va retenir à l'expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, expire, vide encore et retiens le souffle. Et pendant cette rétention, essaie de détendre ton corps. Essaie de détendre la tête, les épaules. Envoie cette détente dans les bras, jusqu'au bout des doigts, dans les orteils, à travers tes jambes. Garde encore cette rétention si c'est possible pour toi. Trouve ton centre, reste au centre, retiens le souffle et on va inspirer tous ensemble. Retiens à l'inspiration quelques instants, presse ta nuque, ton cou contre le sol un peu plus, fais entrer le ventre sous les côtes, presse encore. Et tout de suite, on entre dans le deuxième cycle. Le même rythme, lentement. Inspire, expire. Retrouve ton rythme, retrouve ton souffle. Ressens cette circulation déjà habituelle à l'intérieur de ton corps. Sans hésitation, inspire, expire, se succède. Et ressens que tu es dans ton espace. Dans ton espace, en sécurité, en confiance. Tu es dans ton espace de libération. Et c'est dans cet espace que chaque émotion, chaque réaction, chaque ressenti est la bienvenue. C'est dans cet espace que je t'invite à libérer tes émotions, à libérer tes tensions, tes douleurs, tes contractions. Faire les partir loin de ton corps grâce à l'expiration.
Expire un peu plus et expulse. Expulse toutes les tensions, toutes les douleurs, toutes les choses qui sont accumulées dans ton corps, mais tu n'as plus besoin. Tu veux te libérer. Et c'est dans cet espace de sécurité, de libération, que tu peux le faire enfant. Tu peux pleurer si tu as envie de pleurer, tu peux crier si tu as envie de crier, tu respires et tu libères toutes tes émotions, toutes tes tensions. Et encore 5 avant de retenir le souffle. Et en dernière, inspire, expire jusqu'au bout, expire encore et retiens ton souffle. Et garde cette rétention. Ressens ton centre, reste dans le centre et relâche toutes les autres parties du corps. La tête, les bras, les épaules. Relâche les omoplates sur le sol, le bassin, les jambes. Ressens ce vide dans lequel tu te trouves, au milieu de nulle part. Et si tu peux garder encore un peu plus cette rétention, fais-le. On va inspirer dans quelques instants, tous ensemble. Prépare-toi et retiens le souffle en haut. À l'inspire, presse ta nuque contre le sol. Fais entrer ton ventre sous les côtes. Presse, presse, presse encore. Et on entre dans le troisième cycle. Un peu plus rapide. On s'accélère si tu peux. Si c'est quelque chose que ton corps accepte, pour te libérer complètement, tu peux suivre mon rythme ou garder le tien. C'est toi qui décides. C'est toi qui es le pilote et pas le passager. C'est toi qui pilote et qui maîtrise ta respiration, qui maîtrise ton souffle, qui maîtrise ta santé, qui maîtrise ta vie. Et si tu ressens des résistances dans ton corps, dans ton mental, pour garder ce rythme un peu plus rapide, pousse un peu à travers ton souffle et à travers tes résistances et traverse tes résistances, maintiens le souffle. Va encore un peu plus loin. Suis ton souffle. Où est-ce qu'il veut t'amener? Voyage. Voyage avec ton souffle. Et fais-lui confiance. Et encore 5. 2, 3, 4, 5, inspire et retiens ton souffle à l'inspire. Garde cette rétention, presse un peu plus la nuque, le cou contre le sol. Retiens, retiens encore, presse, ressens tout ton corps contre le sol. Et maintenant plonge à l'intérieur de toi-même.
Retrouve ton centre et reste dans ton centre. Et plonge dans le vide. Dans ce vide si agréable. Tu es au milieu de nulle part et tu peux te perdre complètement. Tout oublier dans cette rétention. Garde encore quelques instants. Presse un peu plus. Et profite de ces derniers instants. Et expire avec des bruits. Et tout de suite, on repart pour le dernier et quatrième cycle. Aussi rapide que précédent, si tu peux. On est à la fin. C'est le dernier effort à faire. Ce sont les dernières résistances à traverser. Et également à expulser toutes les tensions qui restent. Tous ceux dont tu souhaites te débarrasser pour toujours. Faire partir loin de ton corps. Et continue, inspire, expire, sans aucune hésitation. Pousse encore un peu plus dans ton souffle. Accepte cette accélération. Suis mon rythme encore quelques instants. Et encore 5. Et on inspire. Expire vide. Et maintenant, inspire et retiens. Garde cette rétention. Presse ta nuque, le cou contre le sol, ton ventre un peu plus sous les côtes. Retrouve ton centre. Garde cette sensation du centre et relâche le reste du corps. Les bras, les jambes. Amène cette détente jusqu'au bout de tes doigts, jusqu'au bout de tes orteils. Reste encore dans cette rétention, dans ce vide. Profite de ce vide, de ces derniers instants. Et maintenant, prépare-toi à te libérer définitivement de toutes les tensions, des pensées, des contractions, des soucis qu'on va expulser à l'expire tous ensemble en faisant des bruits. Libère-toi, expire. Ah. Encore. Accueille toutes les sensations dans ta tête, dans ton corps. Accueille tout ce qui se présente. Tu peux ressentir des vagues
dans ton corps très agréable qui le traverse des pieds jusqu'à la tête. Ça peut pulser dans tes mains, dans tes pieds, dans d'autres endroits dans le corps. Reste à l'écoute de ces sensations. Profite et ressens cette énergie qui circule, cette énergie de libération. Sens que c'est plus léger, plus aéré dans le corps. Et à la fin, on va prendre un grand étirement. Étire tes mains vers le haut, les talons vers le bas. Étire tout ton corps. Ah. Tu restes encore dans cet état, en profitant encore quelques minutes. Très agréable.